Bon, salut YouTube. Petite vidéo spéciale qui commence dans un CL500, mais ça sera majoritairement sur le SLR129. On est vendredi soir et je vais récupérer ma SL pour le week-end, puisque ce week-end c'est rassemblement. Donc l'un des plus hauts rassemblements de l'année, avec des, que pour les SL, j'entends, en région parisienne. Normalement une vingtaine de bagnoles, dont au moins 80% de SL. Donc là on est dans le W215 et on va récupérer la SL dès qu'on est sorti des bouchons. Un peu la galère. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite auprès de ma SL. Allez. Bon, nous voilà dans l'antre du R129. J'adore ces moments. J'ai l'impression de découvrir un cadeau de Noël. Et voilà. C'est pas beau ça. Allez, on la déballe. Voilà, elle est déballée. On va sortir de là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors attention, elle n'a pas démarré depuis aller un mois. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça démarre au quart. Absolument superbe. On décapouche. Regardez-moi cette beauté. Voilà, on va ranger la CL. Demain, préparation de la voiture. Et on se retrouve dimanche. Pour ceux qui ont la référence, Monsieur Spock, énergie. Voilà, direction Paris. Bon, le temps est pas avec nous aujourd'hui, mais on va faire avec. Il pleut pas pour l'instant. On roule décapoté. On verra plus tard. Tiens, le chantier de Saclay. On est parti, direction Paris, le moteur ronronne, la clim climatise, le baker bakerise, tout va bien. Allez, je vous reprends dès qu'on est dans la capitale. La vieille dame. La vieille dame. Elle est quand même balèze, balèze.
Alors les allées derrière la tour Eiffel sont très sympas, mais on peut pas y aller. Ils ont fermé les routes. Avant, il me semble qu'on pouvait, mais. Bon les gars, voilà à vos bancs. Alors, toutes les selles. Boîte Manu. Un petit SLK. Un R230. Sympa. Une R107. Ah, ça stick. Bah, j'ai pris une merde pour l'autre. Ah, c'est le problème ici. Le plus bel intérieur du Rasso, rouge. Magnifique intérieur. Ah, tiens, l'organisateur. Tiens. Voilà. Thomas, l'organisateur de tout ce bordel. Hello. Voilà, bonjour. Alors, premier petit rassemblement qu'on va faire tous ensemble. Voilà, l'idée c'est d'avoir une petite communauté à côté autour des R129 et puis plus largement des Mercedes Cabrio classiques de l'époque. On va commencer dans les années 80, 90, jusqu'à 2000. Voilà, on va essayer de créer un petit club qui va être très cool avec des rassemblements et puis aussi dans l'idée d'avoir des petits plans pour des pièces, pouvoir taper sa voiture à moindre coût, c'est vraiment l'idée. Alors où est-ce qu'on peut vous joindre et vous retrouver si on a un cabriolet Insta, Mercedes. Voilà. On va créer un Insta, donc on vous communiquera, Greg pourra le mettre en story ou en commentaire juste en dessous. On vous donnera, il est en cours de création. Et pour l'instant, sur Facebook, on vous trouve sur le groupe R129 France, ouais, c'est ça R129 France, en attendant. Pas le nôtre, mais il y a tout le monde dessus, il y a toute la France dessus, donc c'est assez sympa aussi. Okay. Donc, il y a quand même plus de 1100 personnes dans celui de mémoire. Ouais. Bon, ça va être sympa. Donc, un petit comité de cabrio Mercedes. Oui, on a pris toute la rue. Rien que pour nous. Il y a une Audi, une intrus au milieu. Mais... Allez, ben on continue. Merci Thomas. Dans la couleur de cette R107. La voiture de Max. Tiens, ouais, tiens, bleu, intérieur bleu, on n'avait pas souvent des comme ça. Effectivement. En phase 3. On a une autre ? Ouais. Ah, une phase 3 ? Ah ben voilà une phase 3. Et ouais, bleu intérieur bleu aussi, ça court pas les rues. Vous voyez, phase 3, on trouve le petit volant. Les rétros qui ont été relookés. Les petites jantes qui viennent de R230. Les feux qui sont différents effectivement en phase 3. Très sympa. Là on a des petites jantes Lorenzer. Très très cool. Sport Leicht, Leicht en allemand. Mais ça veut dire sport léger. Voilà. Ouais. Bon, on est plus sur le. On est ni sur du sport ni sur du léger. Ouais. Mais bon, la connotation est belle. On est plus sur du grand tourisme.
et deux sœurs jumelles, deux 500 rouges, allemand d'un rot, phase 1, sœurs jumelles. Quand même une belle 500 aussi. Jantes aux Z, sympathique les jantes. Petit CLK W209-55 AMG. Bien sympa. Un petit M113, 5,5 litres, 380 chevaux je crois. Bien sympathique comme voiture. De Paris, on a réussi à sortir, on arrive enfin à la campagne. Quel enfer pour sortir de Paris. Cache dans le garage. C'est pour le phase 2 qu'on va mettre sur
Il y a Mama Radzi aussi. Et voilà. Allez, à la bouffe. Chercher un truc. Les trois rouges, c'est quand même quelque chose. Allez, bah même nous, la vidéo qu'il a fait là, il vous a pris le temps, vous a doublé là, c'est pas mal. Tu vois devant, derrière, tu vois.